Coucou. Alors, petit hall. Ouais, petit, peut-être que vous avez déjà vu ou pas. J'ai profité de mes nièces et mes nièces adorent aller. Enfin, j'ai un peu filé le virus, hein, c'est pas. Elles adorent y aller, c'est. Bref, elles viennent à Action avec moi en fait. Parce qu'avant, Tata, elles ne connaissaient pas. Donc voilà. Ma nièce d'ailleurs a fait. Ma plus grande a fait ça. Elle a testé les sprays peinture que sa grand-mère avait. Donc j'ai décidé que j'allais en faire un fond à tester. Elle m'a dit, s'il te plaît, Tata, je te la donne. Puis j'ai dit, ben. Ouais, mais t'es consciente que je vais la réutiliser, je vais la couper, je vais faire quelque chose avec. Ouais, t'attends, vas-y. Voilà. Donc ma nièce aura une ATC. Hein? Voilà, 2 mois. Parce que c'est l'idée quand même. C'est elle qui a fait, donc elle aura le droit. Alors, j'ai trouvé ceci. Hein, donc c'est les bandes de diamants qu'on a l'habitude. Hein. Alors j'avoue que je suis limite une collectionneuse parce que j'ai toutes les couleurs. J'ai la rouge, la verte, la bleue, enfin voilà, là, un peu champagne, un peu rose clair, un peu. Et ça, j'en mets très régulièrement dans un peu tout ce que je fais. Donc voilà. Là, concrètement, il y a des ATC que je vous ai pas montrés, je sais pas où elles sont. Ah non, je les ai rangées là. Parce que j'ai. En fait, je me suis aperçue, je fais plein plein d'ATC, mais en fait, je vous les montre pas spécialement. Et j'en ai, mais un tas. Sans vous mentir, parce que j'ai préparé les enveloppes, même si j'ai toujours pas les timbres. Au moins maintenant, l'enveloppe, ça c'est fait. Ça, vous voyez, je vous l'ai pas montré. Si je ne vous ai pas montré d'autres, eh ben, celle-ci où vous voyez il y a cette bande rouge. Donc, voilà, hein. Ça c'est une vidéo par contre qui a été filmée donc qui va arriver. Donc j'ai un tas mais faramineux d'ATC et je ne les montre pas toujours, mais en tout cas, ça c'est souvent que c'est assez régulièrement que ça vient dans mon scrap. Donc là, j'ai vu noir, je me suis dit, waouh, je sais pas. Et en plus, c'est même pas moi qui ai vu, c'est ma nièce qui m'a dit, oh, Tata, il y a des diamants noirs. Ok. Ok, donne. Ça, ils ont eu un nouvel arrivage de bandes comme ça, de c'est pas de la dentelle, hein, de crochet, ça me gêne un peu parce que quand je vois les belles choses que font Maya ou que font Nathalie, on est loin de ça. Ils appellent ça comment? Je suis sûre que vous m'appelez ça de la dentelle. Oui, dentelle. Pas pour moi, c'est pas ça de la dentelle, mais bon, voilà. Donc j'en ai racheté du crème, bien sûr, parce que c'est moi et que je fais plus du vintage qu'autre chose. Donc le crème, mais ce qui est le plus utile. Après, il y a des 30-30 et il y a des dies. Dies que tout le monde a vu, je m'en fiche. Enfin, je m'en fiche, pas enfin, je m'en fiche. Je regarde pas tous les hauls. Ça, je les ai regardés justement. Je me dis, ah, je les veux, mais voilà, je les ai enfin et je vais vous expliquer en tout cas comment moi je vois et je perçois leur utilité. Je ne les ai pas pris, il y a certains que j'ai pas pris parce que ben, ils n'allaient pas m'être utiles. Alors, déjà, ces tampons-là que j'adore. Voilà. Alors ça, la coupe là, de vin pour les vendanges ou je sais pas quoi. Depuis le temps que je dis qu'il faut que je fasse des ATC vendanges ou typiques de chez moi, j'en avais fait un peu à Marie Callac. Mais voilà. Bon, alors moi, c'est le champagne, c'est pas le vin. Mais j'ai un village à côté de chez moi qui s'appelle le Bouzy. Et le Bouzy rouge est très connu. Vous voyez? Donc voilà, j'aime bien. Je suis sûre que je peux faire plein de trucs avec. Donc ça, j'ai regardé, c'est plus grand qu'une ATC. Malheureusement, ça sur une ATC, c'est magnifique, ça serait magnifique. Donc je vais utiliser celui-ci, ce truc-là cocktail. Je pense avec le fond de ma louloute, parce que c'est festif, c'est vous voyez, farniente, île. Enfin voilà, c'est ce que je veux. Cocktail été. Ça, bon, je sais pas pourquoi j'ai pris à fin de compte. Parce qu'il m'était dit, ah ben là, le bocal, il peut être sympa sans les cœurs, mais j'ai l'impression que, en fait, le tampon, il n'y a que des cœurs. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça, du tout. Je suis au bout de ma vie. Au bout total de ma vie, parce que ça fait très Saint-Valentin, et ouais, les cœurs, ils sont pas enlevables, en fait. Ah, parce que vous voyez ça, le flacon, là, genre flacon de parfum, j'adore. Mais le cœur, il est au milieu, et voilà. Il faudra que je mette de l'encre. Je peux mettre de l'encre que sur les bords et pas les cœurs. Hein. Ça, c'est ce qui va sauver le truc. Là, la lanterne, c'est pareil. Je la trouve magnifique, mais sans le cœur, ça serait pas mal. Puis ça, vous voyez, avec un motif bleu marine ou rouge, on est à fond, genre côte bretonne. Enfin, j'adore, quoi. La sucette pourra toujours être utile. Et le diamant. Le diamant m'a tapé dans l'œil. Je sais pas ce que j'en ferai, mais concrètement, j'adore ce qui brille. C'est pas nouveau. Donc, un diamant, c'est très bien. Ensuite, on a. Alors, ça, c'est pas très très nouveau. Hein. Juste, je les trouve quand même beaucoup plus beaux et beaucoup plus fins que les. Excusez-moi du peu, merdouillouts et oiseaux, enfin animaux avec des gros yeux très enfantins qu'il y a habituellement sur le thème été chez Action. Donc, je l'ai pris. C'est Marie 84 qui a fait des super trucs avec ça dernièrement. C'est super beau. Là!
toujours la forme diamant, mais en découpe, parce que tu peux avoir un découpe, moi, c'est merveilleux. Bon, alors après, le côté peau, comment ils font eux? Ils font un montage comme ça, oui. Alors, ça, c'est les peaux sur lesquelles dedans vous pouvez du coup glisser les petits herbages. Donc, moi, tout ce qui est herbage, déjà, ça me sert. Ça me sert très facilement dans les montages de cartes et tout ça. Donc, ça, voilà, ça ne me choque pas. Par contre, je pense que je garderai sérieusement le truc si je veux monter ce genre de plante grasse. En tout cas, moi, je vais découper les choses autrement. Puis, alors, genre, là, cette suspension macramé, moi, je me vois très bien mettre une plume au bout. Enfin, vous voyez, partir dans un délire comme ça et détourner le truc un peu, genre, découpe macramé, quoi. Alors, bon, ceux-là, c'est très bien. Voilà, c'est pas de le dire, c'est du très bien. J'aime bien. Good luck, tout ça sur le tag. Et comme ça, après, voilà. Vous pouvez. Il y a des coupes là. Ça, c'est bien hein, qu'il nous ait fait ça quand même. Ça, c'est génial. Voilà. Attends, il faut que ça brille, ça serait mieux. Donc, on a un ouret. Bon, ça, le ouret. Le cœur qui est indépendant, donc vous pouvez l'enlever et mettre une autre forme dedans. Là, c'est idem. C'est écrit Hello. Vous n'êtes absolument pas obligé de mettre la pâquerette au milieu. Vous pouvez mettre un cœur, une lune, hein, ce que vous voulez, une autre découpe qui tient à l'intérieur. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et alors là, le good luck, bonne chance, avec le luck qui pend. Si vous reprenez derrière, vous remettez, je sais pas moi, un fond craft, et puis que ça, c'est en rose. Enfin, ça peut très bien le faire. Et le thank you aussi. Donc, moi, ça me va. Je les ai vus, je me suis dit, alors ça va être le truc dans les... comment ? Dans mes junk et tout ça, enfin, ça peut être superbe. Alors ça, je trouve ça juste très bien. Voilà. Vous avez un gros rond, donc d'une forme, mettons, je vais prendre du vert, et puis ça, je prendrai en jaune, et du coup, la découpe, elle sera jaune sur du vert. Voilà. Ce qui donne là, du bleu lavande et du bleu. Donc vous avez un arbre, genre, c'est très à la mode, ça, les arbres de vie, les arbres de famille, là. Voilà. Vous avez un papillon, vous avez un oiseau sur une branche avec une arabesque, donc ça j'aime beaucoup, une pâquerette, je ne sais pas si c'est vraiment une pâquerette, c'est ce truc là, avec un cœur un petit peu plus présent, et je suppose que c'est une rose. Voilà, donc test à faire et à voir. Et alors on arrive à mes bébés, donc ça sera des albums, voilà. Ça, vous attrapez ça, vous la passez dans la Big Shot et vous avez des pages fixes pour faire un album quoi en fait. Vous pliez votre feuille en deux et vous avez des mini albums tout fait. Voilà, pour celles qui sont pas les as ou qui ont un petit peu peur, on en revient au même. Vous faites un truc tout fin, vous les mettez les uns dans les autres, vous faites passer une aiguille dedans et vous faites juste un fil avec de la twine et ça y est, hein, vous avez un mini album là comme ça en forme timbre. Ça, alors ça, moi, j'ai envie de faire un peu, genre, comment je vous dirais. Alors déjà, j'ai plusieurs trucs qui me viennent, en fait. La fameuse carte paravent de 4. Oui, qui n'est pas que de 4, mais bon, j'en regarde beaucoup 4, hein, c'est pas nouveau. Donc, je ne sais pas si c'est de 4 à l'origine, ça que je veux vous dire. Qui date, hein. C'est un tuto qui date d'au moins un an et demi, mais que j'adore. Et j'ai jamais eu le truc pour faire la forme du machin paravent. Voilà, je crois que je l'ai, là, la carte paravent, on y est. Ou en tout cas, moi, je vois les... On voit un truc très indien. Voilà. Un dôme indien, ou j'en sais rien, je sais pas ce que je vois, mais ça ira dans cet esprit-là, en fait. Paravent, dôme indien. Après, idem, ça peut être pareil. Vous avez les deux côtés, mais là, vous coupez en bas, et ça peut être une tirette dans un junk. Enfin, voyez-vous, c'est juste du coup la forme-là qui est intéressante pour la tirette. Ça va être utilisé. Ceci, maison. Voilà, moi je vois une maison. Les cartes on déménage, les cartes je sais pas quoi. Ça peut être aussi au moment de Noël. Plier en deux et faire une carte. Je vous dis ce qui me vient à l'idée. Hein. Quand je les ai vus en me disant, oh, je peux faire plein de trucs avec. Alors ça, moi qui est nul en carte, c'est l'exemple. Ça y est, hop, j'ai la découpe, je plie au milieu. Et ça fait une... comment ? Une maison, un paysage de Noël. Ça va être à moi genre de faire une fenêtre. Et puis dedans, il y aura un sapin. Et puis là, de la fausse neige. Enfin, vous voyez ? Est-ce que vous voyez? Je sais pas. C'est... Non, vous voyez pas, là. Vous voyez des dice. Vous voyez pas du tout ce que j'ai dans la tête. Alors là, ça, alors je me suis bien mouillé. J'ai regardé les trucs comme ça.
Ça doit être typique, ça doit être bien ça pour les, je sais plus quoi là, Memorex. Je suis quasiment sûre que c'est Memorex ce machin là. Vous faites deux trous là et puis vous êtes tranquille. Bon, ça c'est autre chose hein, parce que j'en ai pas, enfin si j'en ai reçu deux. Ah bah, je suis gourde. J'en ai deux au fait. Je vous dis ça, attends, on va tester tout de suite. J'en ai deux, hein, je les ai toujours. Hein. Bon, j'ai toujours pas de boîte parce que je suis toujours anti-boîte, truc comme ça, donc je ne sais plus. Je crois qu'il y a une de Valérie et une de Patricia. Non, est-ce que ça irait dans l'idée? Oh, ben par contre, on dirait le haut de ce que je viens de vous montrer tout à l'heure, là, que je trouve. Ouais, non, ça fait pas. Par contre, ça a l'air d'être, ouais, typique sol, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, alors, une Memorex, c'est la taille numéro 2. C'est la taille du milieu. Ouais, ben, voilà. Bon, alors, je pensais que je pouvais en faire une dans ce que je viens de vous montrer, hein, mais non. Par contre, ça n'a pas l'air du tout de le faire dans ce cadre-là. Attendez, je fais ça parce que je veux pas qu'on voit les adresses des gens. Il y a des adresses à l'intérieur, hein, ça craint. Voilà. Hop! Bon, bah non, ça fera pas Memoridex. En fin de compte, c'est l'autre qui fait Memoridex. J'en ferai toujours pas plus. Hein. J'en ferai toujours pas une. Encore une fois, je vous les ai dit, je tombe pour l'intérêt. Voilà. Donc ça, moi, ça m'a fait vraiment penser. C'est pas plaque de western, de saloon, de. Voilà, bon, c'est tout, c'est moi, c'est dans ma tête. Ça, je me suis dit. Alors ça, c'est parfait, il y a Romain qui avait fait ça. Un album, page, je crois que c'était Love. Il avait commencé ça, là. Alors un L. Et puis après, c'était une bande en dessous. Là, il y avait le O, là, il y avait le V, là, il y avait le E. Et en fait, ça faisait un album Love. Voilà, avec les lettres qui étaient découpées à chaque bout de chaque page. Là, moi, dans mon idée, ça serait la même, en fait. Et là, ça serait une reliure japonaise. Voilà. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Après, dans ce que je vous disais, dans l'idée des junk, hein, toujours pareil. C'est une forme de tag différente. Voilà. Même admettons qu'on coupe un grand pan comme ça, puis qu'on a besoin que ça. Voilà. Et alors ça, je trouve ça juste très joli. Là, voilà. On va être très très honnête, c'est joli. J'ai pas d'idée. Je trouverai peut-être, hein. Nous autres, si on plie en deux, encore une fois, hein, moi dans un format junk, c'est parfait. Je plie en deux, puis j'ai une forme un peu particulière. Donc, ça, c'est moi, pour moi, les gens, ils verront la carterie. Moi, enfin, je vais être très honnête, j'y vois beaucoup, beaucoup de junk. Hein. J'y vois absolument pas de carterie, mais bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, 12 minutes 33. Pour des trucs que vous avez probablement vu ailleurs, hein, mais que je regarde pas spécialement ailleurs. Alors, que ma nièce, elle m'a dit, mais t'en as déjà. Oui, je sais, j'en ai plein. Voilà! Le Floral Dreams que j'ai déjà acheté une fois. Hein, du coup, j'avais voulu être sérieuse la dernière fois, j'ai acheté qu'une fois. Et là, je l'ai re-regardé en me disant non, 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 j'adore ce bleu marine et ce framboise. Ouais, cette espèce de framboise, tout ça là, je kiffe. Donc, je vais en prendre deux. Et ça, j'y pourrais faire un gros album. C'est pas le tout de me lancer dans un truc et puis dire ah, ben, il n'y a pas assez de pages. Non, 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 c'est bon. Je me connais. Voilà. Donc, je l'ai repris. Il date de Mathusalem, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Alors, ensuite, j'en viens à celui-là que j'ai. Bah, j'ai pris en double, hein. Vous avez compris le concept, vous me connaissez. Bien souvent, mes 30-30, je les en double. C'est rare que j'en achète un. Ce qui fait que du coup, je m'encombre beaucoup et j'ai beaucoup, beaucoup de feuilles qui me restent, qui ne me plaisent pas. D'où l'intérêt de faire un art journal en 5 étapes. Voilà. Alors, nous avons là Grunge Dreams. Voilà. Donc, rien que ça, rien qu'avec l'idée du grunge. Quand j'ai ouvert, là, déjà quand j'ai vu mes pavés, là, enfin, les chevrons typiques des apparts haussmanniens, mon bois travaillé comme ça, voilà, autant vous dire que déjà, rien que pour la première page, il faut acheter. Là, on a un gris marronné, là, on a des cartes. Alors après, c'est une collection qui m'a fait, enfin, c'est pas une collection, André, c'est un 30-30 qui m'a fait penser au. Tenderness que j'ai acheté chez Valérie avec lequel j'avais fait un album pour la petite fille de Laurence, pour la naissance de la petite de Laurence. Et ben quand je vois les fleurs là, tout ça, je me dis ben, c'est limite la Tenderness de. Alors me demandez pas qui. Je ne sais plus du tout qui est la collection d'origine. Ça là, ça m'a mis très mal à l'aise. Alors il y a des gens qui vont me dire oh, c'est beau, c'est du marbre et tout ça. Le marbre comme ça, avec des fleurs comme ça, je me suis dit, mon Dieu, c'est une carte de deuil, de condoléances. Voilà. Moi, j'ai vu ça. Peut-être des gens, ils vont voir du beau. Moi, je ne vois pas du beau, là. Mais très mal à l'aise, le marbre et la fleur blanche comme ça. Je me suis dit, oh, c'est mon Dieu. Alors, du bois, du marron.
On sait pas ce que c'est, espèce de béton ciré marron. De l'écriture dans du pêche. Des roses dans du marron. Du marron, il y a beaucoup de marron. Un aspect lin marron. Un aspect cuir usé imprimé, hein, forcément. Là, de l'écriture marron. Alors déjà, moi, ils mettent de l'écriture. En ce moment, ils me fichent de l'écriture sur tous les blocs. Ils peuvent pas me rendre le plus heureuse du monde. Des petits pois dans du espèce de marron grisonnant. Les fameuses pages qu'on croirait... Qu'on croirait, c'est pas français. Enfin, qui pour moi disent « Ah, c'est la tenderness !» Sauf que là, on a des hortensias. Oh, je vais les garder pour une copine, ça. Elle est fan des hortensias. Ouais. C'était son anniversaire il n'y a pas longtemps. Alors, ouais, j'aurais dû l'avoir avant. Du marron comme ça, usé, griffé. Voilà. Du, à nouveau, des écritures. Alors ça, par contre, celle-là, c'est l'horreur. Alors, j'ai beau hein, être très fleur des champs, très machin. Là, par contre, ça, je trouve que ça fait pas beau. À nouveau, les pointes de Hongrie. Le parquet en pointe de Hongrie, mais dans un côté marron et noir. Très beau. Oh, bah, c'est magnifique. J'en ai pas assez, des trucs en bois. J'en ai acheté deux, là. Je sais plus, je crois que c'est un 2,33 comme ça. Texture, je sais plus quoi. C'est en bois. Mais en bois brut, vous savez, pas teinté, très, très nature, très beau haut et tout ça. J'ai un problème avec ça. Ce marbre crasseux qui, alors pour ceux qui ont regardé la série, me fait penser, c'est un générique. Je me demande si c'est pas le générique de, enfin je suis quasiment sûre, de Trou Détective. Ou à un moment, il y a de la décomposition dans le, je sais pas si c'est dans Trou Détective ou c'est American Horror Story. Je sais plus. Et on croirait, vous savez, les liquides comme du sang qui se dilue. Enfin, c'est un générique. Donc moi, j'y vois pas du marbre. C'est beaucoup trop grossier pour être du marbre. Ça peut être du marbre, hein, mais pas moi. Dans ma tête, non. Ça, ça fait comme des petits miroirs bleus sur un fond marron. Et là, je pense qu'on rattaque. Ah bah non, on rattaque pas, là. Donc je vous montre le marron sur un petit fond en espèce un peu bleu. Donc ça pour le junk royauté ou pour de l'Halloween. Là on a du ciment un peu craquelé mais teinté en marron. Là on a donc les cartes bio. Alors ça j'ai pas trop compris les phrases, mais bon, j'ai pas l'habitude. Be afraid and do it anyway. Donc sois effrayé mais fais-le quand même. Some days you have to create your own sunshine. J'ai l'impression que c'est une collection de dépressifs en fait. Quelques fois tu as créé toi-même ton propre soleil, enfin ton voilà. Ça, je comprends pas ce que ça veut dire, donc comme ça c'est clair. Happiness, donc le bonheur. Blooms, pour moi c'est un truc genre le printemps, les fleurs, tout ça, donc je vois pas trop. From within. Alors, le bonheur, blooms, vient sans. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Never give up on things that make you smile. N'abandonne jamais les choses qui te font sourire. Ah, celle-là est positive. Les autres, ils sont un peu moyennes comme phrase. Hein. Je ne les sens pas très inspirées, en fait. Mais bon, on en revient au même dans un album. Ça va vous couper. Ça fait le dessus d'une page et d'un pliage. Donc, au moins, ils ont cette intelligence-là en ce moment d'action. Donc, le fameux bois, comme ça, je vous dis, ça, j'en ai 4 milliards. Et après, on repart dans l'autre sens. Donc, bien sûr, cet album étant... cet album. J'arrête de dire des albums. C'est pas des albums. Ces petites feuilles ont été achetées en double. Sachant que j'utiliserai probablement plus le bois. Les textures. Ça, pour moi, c'est du mocage. Pour moi, c'est une copie pure et nette de Tenderness. Et ça, pour moi, ça se met avec du bois brut. Il est où? Bah voilà, je n'ai plus. Le bois brut central, il est où? Voilà. Ces fleurs-là vont parfaitement avec ce bois-là. Vous voyez, du bois clair, du brut, un mariage. Mariage bohème chic. Naissance de petite fille, voilà. Donc, à la rigueur, je vous dis pas acheter ça à la place du Tenderness, parce que c'est deux feuilles avec des fleurs sur je ne sais pas combien du 30-30. Par contre, vous dites-vous que au pire, pour compléter la Tenderness, que j'ai vu qu'en plus Valérie l'avait en 30-30 maintenant. Moi, je l'avais acheté en 20-20, mais elle est en 30-30 et en 20-20. C'est plutôt pas mal. Voilà.
C'est une technique à avoir. Des fois, pensez à ça, que pensez à marier, même si vous avez des grosses collections, c'est une collection de papier, grosse collection, enfin c'est un mot gros, hein. Genre il y a 6 feuilles 30-30 dedans. Pensez à regarder et à les compléter avec vos actions, quoi. C'est un truc, ça se fait très bien parce que action, mine de rien, il y a quand même de la parodie. Enfin, là, moi, là, pour moi, c'est la tenderness. Sauf que la tenderness, elle n'a pas les hortensias dedans, elle a que les roses. Et puis elle peut travailler, elle a un côté paillette, il y a aussi le vert qui est travaillé en plus en fond, tandis que là on a du marron et du blanc. Mais c'est plus brut, mais ça peut très bien se marier avec. Qui c'est qui a fait ça aussi, j'ai vu, c'est celle qui avait Calchic, c'est Vessylvie. Vessylvie, elle vous marie du Stamperia avec de l'action, mais très bien. Voilà, pensez à faire ça. Là c'est l'exemple. Ou en tout cas, si vous voulez faire un semblant de la tenderness, bah. Moi, celui-là, il me paraît plutôt pas mal. C'est les fameux dupes dans le make-up, bah, c'est la même chose, quoi. Les dupes en scrap. Et que parfois, il y a des collections qui peuvent vous taper à l'œil. Attendez quelques années, parce que je pense qu'il y a à peu près un an de battement. Parce que moi, la Tenderness, la petite à Laurence, elle doit quasiment avoir un an. La Tenderness, moi, ça fait un an que je l'ai achetée chez Valérie. Et résultat, je la retrouve là dans le bloc 30-30. En copie. Inspiration. Pas de la copie pure et dure, c'est de l'inspiration. Donc pense à ça. Des fois, action, il faut attendre un tout petit peu et vous vous retrouvez avec des papiers parfaitement en adéquation avec les grandes collections. Bon, je sais pas pourquoi ça sert, c'est pas un tuyau. Enfin, c'est un tuyau comme un autre, faites ce que vous voulez. Mais voilà. Si parfois on n'a pas tout un budget pour, hein, compris moi. Je m'achète à peu près tous les 2-3 mois une belle collection. Mais en attendant, entre-temps, j'ai pas toujours les moyens d'acheter des grandes collections. Sur ces petits détails, les dupes. Remarque, ça serait un truc que je devrais vous faire. Ah, ouais, ça peut être sympa. C'est comme les youtubeuses beauté. Vous faire. Alors voilà, ça correction. Ah, voyez les images de la Stamperia de ça. Et bien le bloc action là, regardez, il se répond. Pour être sympa, ça. En tout cas, ben alors, ainsi commence le premier dupe. La Grunge Dreams étant fortement inspirée, à mon sens, de la. Je vous ai dit quoi? J'ai pas arrêté de vous donner le nom que j'ai eu chez Valérie. Tenderness. De la collection Tenderness. Voilà. Maintenant, libre à vous de faire comme vous voulez. Bisous!